changing the immigration laws would affect our food system is much tougher. I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. It's really messing up with my spring break. What is there to do here other than go to the bars or the beach, and they're closing all of it? It's really messing up. I think they're blowing it way out of proportion. You're doing us bad. We need a refund. This virus ain't that serious. It's serious. It's more serious things out there like hunger and poverty. We need to address that. Je vous explique, c'est le spring break à Miami, ce qui insinue qu'à cette époque de l'année, eh bien, c'est comme une espèce de tradition, tous les étudiants américains n'ont qu'une seule idée en tête, venir à Miami, faire la fête, boire à n'en plus pouvoir, ça danse, ça twerk dans les rues, les plages sont inondées de monde, les boîtes de nuit arrivent à leur maximum, leur capacité maximum, et cette année, alors que dans plusieurs parties du monde entier, des personnes meurent du coronavirus, sur la plage de Miami se cachent les Spring Breakers. La plupart du temps, les Spring Breakers sont des personnes qui ne vivent pas à Miami, mais qui viennent juste durant le mois de mars pour se défouler. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ce sont des personnes qui ne sont même pas de la ville, qui viennent s'exposer à la propagation des microbes et qui contribuent à la multiplication, la propagation des bactéries, des germes un peu partout dans la ville. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini de bien secouer, de bien frotter, de bien s'enjailler, de bien twerker, de bien boire, ils repartent chez eux, tranquille, pour diffuser tous les germes qu'ils ont attrapés dans leur vie d'origine. Vous pensez que ce qui arrive aux autres ne vous arrivera pas? À un moment donné, l'insouciance, il faut arrêter. Quand on parle d'un fléau qui en fait se propage dans le monde, à un moment donné, il faut arrêter de regarder son petit nombril. Hein, et dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'abstient. C'est pas une question de peur, parce qu'on m'a pas appris à vivre dans la peur. C'est une question de prudence. Quand tu connais pas, c'est pas comme si tu connais. Quand tu connais pas, agis pas comme si, en fait, tu es maître de tout. Agis pas comme si tu pourras assumer les conséquences. C'est parce que tu ne sais pas en réalité. C'est ça mon problème avec les Spring Breakers 2020. Ils sont venus pour une seule raison, c'est s'amuser. Mais il y a bien plus important que s'amuser. Il y a bien plus important que le moment. Il y a le futur. Moi, j'en ai rien à foutre de maintenant si demain n'a pas lieu. Ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser aujourd'hui pour que demain puisse être mieux pour moi et pour ma famille. Et puis en fait, en réalité, c'est très égoïste de se dire que parce qu'on est jeune, parce qu'on est moins à risque, on devrait s'en foutre. C'est dans des moments comme ça qu'on devrait arrêter de penser solo, individualiste, et commencer à penser société, communauté. Commencer à penser, ok, comment est-ce que je peux me protéger moi-même, mais comment est-ce que je peux protéger aussi les autres? Restons calmes et observons, analysons, analysons comment le gouvernement réagit à ce virus. En fait, c'est simple. Tu fais tes courses comme tout le monde, hein? Tu t'enfermes chez toi comme tout le monde, tu nettoies chez toi comme tout le monde, tu te laves les mains à tout bout de champ comme tout le monde, tu désinfectes les alentours comme tout le monde. Et puis tu attends, tu regardes les news, tu attends, tu ne prends pas de décision pour toi et puis pour les autres en fait. Mon message, il est simple. Si vous vous en foutez de vous-même, il n'y a pas de souci, cela n'engage qu'à vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un minimum de considération pour vos grands-parents, pour vos enfants, les enfants de votre famille, les enfants de votre communauté, pour en fait les personnes que vous connaissez, les personnes autour de vous, eh bien tout simplement arrêtez un peu ce genre de conneries, arrêtez un peu en fait de vivre comme si le virus n'existait pas. Il ne s'agit pas d'un appel à la panique. Il s'agit tout simplement d'un appel à la raison et un appel à la prudence.